Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour ce bulletin vidéo. Alors aujourd'hui a été une très belle journée sur l'ensemble du pays, une journée presque estivale. Par exemple, dans le Pays Basque, on a relevé jusqu'à 31 degrés, à Biarritz et à Dax, donc des températures tout à fait estivales. 30 degrés à Brive dans le Limousin, 29 degrés à Vichy dans l'Allier, donc dans les régions centrales, il a également fait très chaud. Et puis on a relevé jusqu'à 25 degrés dans la capitale, 26 degrés à Strasbourg, alors que près de la Méditerranée, l'ambiance était un petit peu plus fraîche, alors certes agréable, hein, il faisait tout de même 19 degrés à Nice et à Ajaccio. On passe au temps de demain matin. Il faut savoir que l'air froid revient par l'océan dès cette nuit avec une baisse sensible des températures et on va l'observer déjà donc demain matin avec un temps plus nuageux du nord-est jusqu'au sud-ouest avec localement quelques gouttes sur le Pays Basque ou près des frontières allemandes. Rien d'important. À l'avant, un ciel un petit peu plus nuageux, mais près de la Méditerranée, le ciel bleu domine, ainsi qu'en Suisse. À l'arrière, sur une bande s'étalant de Bruxelles jusqu'à la Vendée, on aura un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et près de la Manche, au prix d'un vent un peu plus marqué, on aura de très belles éclaircies. L'après-midi, on a un petit peu plus de nuages de la Bretagne à la Normandie, avec quelques rares et faibles ondées. La pointe du Finistère reste ensoleillée, de même que les régions allant du nord de l'Île-de-France jusqu'à la Belgique, en passant par la Picardie. À l'avant des Ardennes jusqu'au Poitou, un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et puis toujours de l'Alsace jusqu'aux Pyrénées, là on a un ciel beaucoup plus nuageux avec quelques ondées. Près de la Méditerranée, le ciel reste très ensoleillé. Je vous parlais donc de ces températures un petit peu plus fraîches. Alors bon, le matin, on voit que, ma foi, elles se maintiennent. On a toujours 12 degrés sur la capitale, c'est très doux pour la saison, mais on voit un début d'air frais sur l'ouest. Regardez 7 degrés à Caen, par exemple. On peut remarquer 15 degrés à Lyon pour la maximale ce jeudi matin. Et regardez les températures l'après-midi, là on a une chute vertigineuse sur les trois quarts du territoire. Je vous parlais de 25 degrés à Paris mercredi après-midi, il n'y en aura plus que 17. À Biarritz, alors à Biarritz c'est tout de même l'exemple le plus parlant, je vous parlais de 31 degrés mercredi après-midi, et eh bien jeudi après-midi il ne fera plus que 16 degrés. Oui évidemment, ça dissuade un peu plus d'aller sur la plage. Quoique, 19 degrés dans la ville rose, 19 également pour Mâcon. Et puis tout de même, hein, dans le sud-est, on voit que l'air doux résiste. 21 degrés à Lyon, 22 degrés à Annecy, 25 à Grenoble, 26 à Nîmes. C'est la maximale. On passe au temps de vendredi. Qu'est-ce qui va se passer vendredi? On a des températures un petit peu plus fraîches dans le nord-est. Regardez les températures hein, qu'on voit à gauche de la carte. 13 degrés pour les maximales dans le nord du pays. C'est très frais, notamment dans le centre-est où oui, il neigera à haute altitude à partir de 1300 mètres. Dans les Pyrénées, 1000 mètres pour... Non, 1300 mètres dans les Alpes et 1000 mètres dans les Pyrénées. Attention. Donc, des pluies dans le centre-est, un ciel très nuageux sur le massif central, et oui, même près de la Méditerranée, vous voyez, les nuages arrivent au prix d'un vent en plus assez marqué, 80 km/h. À l'arrière, un ciel un peu plus clément, avec de belles éclaircies. Attention, tout de même, quelques averses locales et éparses de la Bretagne jusqu'à la Belgique. Samedi, eh bien, on a des retours d'est, et oui, encore, malheureusement, les gens du centre-est profitent d'un ciel assez nuageux à partir de demain, donc une ambiance presque automnale près des frontières de l'est. Il ne fera pas plus de 10 degrés à Lyon, par exemple, alors qu'on avait encore 25 aujourd'hui, hein, comme je vous le disais, donc un ciel très nuageux, des pluies, notamment près des Alpes, alors bien sûr de la neige, hein, des 1000 mètres d'altitude, un vent fort près de la Méditerranée qui n'empêchera pas les nuages de s'installer, sauf peut-être près du Roussillon. On voit quelques belles éclaircies. À l'arrière, donc des Ardennes à peu près jusqu'aux Pyrénées, vous voyez cette zone est assez arrondie, donc c'est difficile de vous donner un cadre précis avec pas mal de nuages, et puis de la Belgique jusqu'aux Landes, en passant par la Bretagne, ben oui, une fois n'est pas coutume, mais là il fera très beau, mais il fera un petit peu plus frais, donc vous l'avez compris. Je propose de passer au temps de dimanche avec de belles éclaircies encore une fois sur le nord-ouest.
Et puis, plus on ira vers l'est, plus le ciel sera nuageux, avec même quelques averses à caractère orageuse près de la Méditerranée. À caractère orageux, bien sûr, je ne veux pas faire d'erreur de français. Et puis, lundi, les températures montent un tout petit peu. C'est quand même pas la grande joie, avec un ciel assez nuageux, notamment du nord-est jusqu'au sud-ouest, un peu plus éclairci près de la Méditerranée, toujours ces ondées à caractère orageux, et puis toujours un petit peu plus d'éclaircies vers le nord-ouest, qui est décidément privilégié. Et puis la bonne nouvelle, hein, je vous l'apporte, c'est à partir de mardi et de mercredi, on va avoir le retour d'une ambiance un peu plus printanière. Déjà dès mardi, on le voit, les températures l'après-midi augmentent, 17 degrés de moyenne, ça fait du bien. Alors il y a un peu plus de nuages près de la Manche, une fois n'est pas coutume, et puis de belles éclaircies sur l'ensemble du territoire, à pouvoir peut-être près du centre-est. Regardez, la barre des 20 degrés est franchie l'après-midi dans le sud. Et puis mercredi, là, le soleil s'installe de plus en plus avec une ambiance franchement printanière. 19 degrés l'après-midi dans le nord, c'est tout à fait convenable, 22 dans le sud. Et puis toujours quelques averses à caractère orageux près des massifs cette fois-ci. Demain, nous serons le jeudi 18 avril 2013. Alors nous ne fêtons personne hein, puisqu'il s'agit de l'un saint parfait. Oh, personne n'est parfait, oui je sais, c'était facile. C'est aussi la fête des secrétaires, alors au sens propre hein, bien sûr. Donc ma foi, bonne fête à toutes les secrétaires qui nous écoutent ce soir, ou même un peu plus tard, et donc des coefficients de marée assez faibles, donc pas de problème, et on gagne toujours quelques minutes d'ensoleillement, et oui, ça fait du bien. Donc jeudi soir, eh bien, vous aurez le plaisir de me retrouver, je me calmerai sur les blagues, et je vous souhaite à tous une excellente soirée.